Bonsoir tout le monde, la paix mon Dieu ensemble avec nous. Merci d'être nous accepter de retrouver sur la chaîne YouTube ça, Frinal Joseph TV. Et nous saluons particulièrement tous les membres de l'Église Baptiste Bethel qui suivent la série d'études ça que nous avons fait sur Noémie. Ce sont une série d'études que nous avons fait déjà. Nous avons commencé déjà, à vrai dire. Mais nous pas à cause de problèmes, tout problème que nous connaissons, nous n'avons pas capable de continuer. Et là encore, c'est bien malheureux que nous obligés de faire sous un réseau, sous Internet. Nous connaissons un peu de monde qui n'a pas vraiment accès ensemble avec Internet. Et, mais aussi un peu de monde qui n'est pas prêt aussi pour te faire pour te venir à l'église là. C'est-à-dire en présentiel, nous avons fait une étude là et nous choisissons de faire sur le réseau ça. Et nous souhaitons que nous partager et étudier ça ensemble avec toutes nos amis et l'église Baptiste Bethel surtout pour capable suivre ces moments ça que nous allons passer ensemble. L'habitude livre Néhémie, nous parlons surtout ouais chapitre premier aujourd'hui. Livre Néhémie sont un livre qui gagne environ et qui gagne 13 chapitres là-dedans, qui gagne 13 chapitres là-dedans et les diviser comme ça et premier sorti dans premier pour arriver dans 7e chapitre là. Et les gens pour ensemble avec visite Néhémie à Jérusalem et puis construction muraille là tout et de la ville face ensemble avec gros pression ou bien opposition que les jeunes tout parce que Néhémie va rencontrer en pile opposition. Chapitre 8 ensemble avec 10, arrivé dans chapitre 10, il décrit aussi réformes religieuses et sociales que Néhémie t'a pas essayé de mettre en vigueur et sorti dans chapitre 11, arrivé dans chapitre 13. Les surtout listé et en pile le monde qui était trouvé au digne et aussi bien que les rapporter la consécration de la muraille. Donc c'est division qui fait mais nous-mêmes n'a étudié chaque grain de chapitre et à part pour nous capable bien cerner les normalement. Néhémie son livre normalement tu es capable de aussi Ezra. Ezra, Ezra. Et jusqu'en 1449-1495, je ne me souviens pas, et pape gagne Néhémie. Ok? Tu gagne Ezra 1, qui est considéré comme Esdras. Tu gagne Ezra 2, qui vit Néhémie Jodia, à partir de 1449-1495. Et puis, gagne aussi Ezra. Ezra 3, Ezra 4. Mais Ezra 3 avec Ezra 4, il n'y a pas figuré et dans la Bible. Tu as fait connaître qu'un auteur traditionnel et livre Néhémie, c'est Néhémie lui-même. Et puis, auteur selon Exégésio, il y a Esdras et avec plusieurs autres auteurs anonymes encore. Son livre qui pratiquement pas écrit vers 443 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la date ça, mais sur notre date, c'est traditionnellement parlant, hein, mais sur notre date historique, là, on a juste dit son livre qui t'a écrit en 5e siècle. De toute façon, c'est dans ça, ou bien 5e siècle, début 3e siècle avant Jésus-Christ. Ok? Donc, nous, ça déjà, c'est on senti râler parce que dans le moment ça, on ne pas voulu qu'un béon en pile pour pas, on va dire, me décourager parce que le bon est un monde qui paraît me suivre et sur les réseaux sociaux, qui paraît me comme si fait étude en ligne, qui paraît me, quel que soit le salaire, même service, je paraît me prendre en ligne, il n'y a pas tellement aimé ça. Ok? Ma étudié le premier chapitre ensemble avec vous, et montrer là comme ça, et verset premier, parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle. Ok? 20e année, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Je me fais un petit poser là. Et puis devant, surtout dans le chapitre 2, ma gagne pour moi ensemble avec vous, surtout, appellation qui est 2 mois. Parce que il y a 2 mois surtout que vous plus parler ensemble avec vous dans 2 premiers chapitres, on a parlé du mois de Kisle, on a parlé aussi du mois de Nissan. Et le mois de Kisle, et qui gagne un rapport, mais qui plus c'est sûr, considéré comme mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre. Et l'idée à Suisse dans la capitale, quelle capitale qui pays? Suisse,
c'est la capitale de Perse. C'est la capitale de Perse. Donc, Perse, et qui te gagne roi, et toujours mal prononcer ça, Artaxerxès. Artaxerxès, qui t'a brillé là dans lui. Dans le verset 2, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il est possible que Anani, même s'il parlait l'un de mes frères, il est possible que Anani, pas qu'à considérer ici là comme frère biologique, Néhémie. Li di frère parce que non seulement on c'est une même nation, même genre même ensemble avec vous en tant qu'haïtien, haïtien de ses frères et sœurs, ou bien en tant que chrétien de ses frères et sœurs, ouais li. Donc il est possible que pas frère de biologique mes parents, mais ils ont sorti c'est monde même côté eux, ils ont sorti en Juda ensemble, ils ont fait Juda et ils ont gain plus rapport ensemble avec Anani aussi pendant que dans pays perse, dans Suisse. Donc, il était connu qu'il y ait contact pour les nouvelles Jérusalem, pour les nouvelles pays, pour les nouvelles quelques familles possibles. Et c'est ça que fait qu'il parle d'Anani surtout. Mais il dit quelques hommes arrivèrent de Juda. Il n'a pas cité dans l'autre. Ok? Et je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Lors de la captivité des Juifs. Et son bagage qui t'a mal fait en plusieurs temps, d'ailleurs. Bon, on est ensemble avec vous quelques temps que vous avez fait. Il a fait en plusieurs temps. Premièrement, son bagage qui t'a mal fait sous l'oreille de Nebuchadnezzar, selon la Bible, et il t'a mal commencé après la défaite du royaume de Juda, et ça s'est mal passé en 597 avant Jésus-Christ. Et deuxièmement, il a fait aussi suivant l'autre captivité après le siège de Jérusalem en 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Et enfin, l'Italie est aussi en 682 avant Jésus-Christ. Ça t'a pas le fait. Hein? Et son Italie plus surtout encore poursuivre jusqu'à la prise de Babylone par les Perses, parce que Babylone était considéré comme un gros empire, même puis devant Perse. Perse ont pas prendre place, ont pas envahi et Babylone en 538 avant Jésus-Christ et les captivités ont pas et poursuivre dans son sens. Babylone que nous avons considéré comme Irak et Perse que nous avons considéré comme Iran. OK? Comme Iran que nous avons considéré à Jodia. Et Néhémie t'es un juif lors des captivités, t'es un juif qui t'échappait pour lui. Elle dit que qui pas t'accepter pour t'aller dans l'autre pays, pour t'aller servir en l'autre pays. Parce que c'était, lorsque tu prends en compte ça en captivité, c'était comme aussi une sorte d'esclavage. Parce que tu n'as pas au service de nations qui te prennent, surtout soit Babylone ou bien Perse. Il est vrai que, puis fort monde que tu pas prendre, c'était des crèmes, tu as des intellectuels, tu as des gens qui étaient très formés. Par exemple, tu as des jeunes garçons, jeunes filles. T'as pas besoin de Daniel, ou qu'on est exactement qui ça Daniel t'es pesé, ou qu'on est, ou t'as pas besoin à Shadrach, Meshach, Abednego, ou qu'on est ça monsieur ça t'es pesé. Non seulement t'es très très très, très bon, t'es occupé de grandes positions, mais aussi y'a été attaché à leur Dieu, à notre Dieu, hein, le Dieu créateur, hein, le Dieu qui c'est lui-même seul qui bon Dieu. T'as pas été attaché là-dedans. Gagner. C'est trois façons. Non seulement tu as un juif qui t'a parlé en captivité, mais tu as un juif aussi qui t'a parlé caché dans l'argé. Ok? Dans le bois, dans l'argé, qui n'est pas capable de jouer. Et puis, les gens qui ont fini d'aller, les bagages qui ont passé, ils ont retourné dans quelque place. En tout cas, dans le wind, dans sa sacrité. Mais aussi, tu as parlé de jouer en pile juif qui t'a parlé faire route pour l'autre pays. Qui l'autre pays qui n'est pas capable de considérer. Comme monde qui pas libre ou bien qui sous tutelle, ils ont pas juste émigré dans l'autre côté. C'est le cas pour certains juifs qui t'a pas lagué koyo en Afrique
et plus précisément en Dahomey. En Dahomey, c'est ça qui fait que vous allez parler, il a parlé de fait histoire d'Haïti, il a parlé que les Haïtiens, en tout cas pas tous, mais la plupart des Haïtiens seraient donc des Juifs issus de la tribu des Judas de Dahomey. Parce que c'est surtout plus fort aux Juifs qui étaient allés en Dahomey en Afrique, c'était et monde qui fait partie donc de la tribu de Juda. Aujourd'hui, on serait donc des Juifs, et peuple de Dieu. Il dit que, ouais, petit peuple, ça, pas garder le conseil comme ça. Donc, puis c'est moi des nouvelles, et il y aurait bonne ligne comme ça. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. On compte de l'homme dans le monde, l'homme est en côté, même si on fait nouvelle d'Haïti, mais l'homme est parti en France, ou bien Canada, ou bien États-Unis, ou rencontré avec l'autre frère, l'autre soeur, compatriote, et puis toujours à point de bonne nouvelle d'Haïti, mes amis. Ça va tendre là comme ça. Même ceux qui ont l'habitude de tendre des nouvelles, mais ils disent à ce qu'on baille aux nouvelles quand même. Et puis pour nous, on peut dire, mais Haïti là, j'entends là, nous là. On a gardé après les ou bien nous en bas, mais mon Dieu. C'est comme ça. Donc, et puis, mais monsieur Théâtre, ton bagaille, il dit comme ça que, il y a là, du malheur et de l'opprobre. Ah, malheur et l'opprobre, c'est que son malheur qui était tombé sous ville. Et rond tombé, c'est parce que, il était clair que, peuple en pas doit mélanger ensemble avec l'autre peuple. Mais il fait un temps que vous êtes mélangé tellement avec l'autre race que bon Dieu t'a quitté dans désobéissance et le quitté à but jusqu'à ce que vienne craser sa route gagnée, détruit Muraïla et les portes aussi de Jérusalem qui étaient considérées comme sécurité, c'est-à-dire que Muraïla était un symbole que, ah ben, un cachot là, mettons là, son symbole lié que nous pas qu'à franchir. Et c'est même pas qu'à aujourd'hui en tant que chrétien, ah ben, si toutefois que Dieu nous entoure, nous sommes dans une sorte de triangulation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous repoussons la Sainte Trinité, nous repoussons Dieu, nous repoussons le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous repoussons le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes libres. Dans la vie, nous fait ça, yovelé. Mais aussi longtemps que nous avons Dieu dans notre vie, que nous sommes dans ce triangle, ok, nous sommes capables de crier, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Hein? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, c'est la parole du Seigneur. Donc, Muraïla était en ruine et les Néhémie apprennent ça. La parole de Dieu nous dit, à travers le verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Et comme si monsieur était campé et je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Monsieur Chita, parce que s'il était campé, causément des chaises, bagala trop triste. Moi, quand on a quelques nouvelles, on se voit, nouvelles là tellement tristes, li tellement formal et que ou pas senti que ou capable. C'est Chita pour Chita, on pas capable de camper. Il y a tous ces codes, ces bagailles marées sous quoi. Il s'est crié, parce que à quoi ça paye le débrouiller. Regardez Haïti, je dis, hein, comment sens-tu? Sauf que ça fait quelques années de cela que je suis arrivé aux États-Unis et puis. Il y a plusieurs amis qui t'ont parlé de nouvelle Haïti, et puis il y a une là-dedans qui dit sacré l'Haïti, pays que les consacres, qui côté lié. Il dit moi-même, bon bas pour moi, mal libre pour moi, mais tu veux dire ensemble pour moi. Moi-même, pas ici encore. Pays où a toujours été pays où.
quel que soit le passeport dans la main, quel que soit le cas, offrir tout avantage si vous avez l'autre côté pays, vous avez toujours été pays. Parce que, il y a des gens même les gens qui vivent en Haïti, l'affaire de Matisse n'a pas concerné. Ok? L'affaire de La Saline, de Grand Ravine, de Bel Air, de tout côté ça, yo, pas concerné. Yo. Nous tous devons sentir nous concernés par ce qui a passé dans le pays. Yo. C'est important parce que c'est le pays, nous, c'est là nous faisons. C'est la parole que nous faisons. Okay? Même si vous avez fait dans l'autre pays, mais le fait que parents sortent dans le pays, vous avez un lien quand même ensemble avec le pays. C'est que moun, si vous avez tel bagage pour arriver sur vous, ou bien dans une zone, vous n'avez pas de difficultés, pour vous-même, vous n'avez pas besoin qu'on a fait personne, vous vous sentez bien. Non, on ne doit pas voir ça comme ça. Pays nous, c'est pays nous. Et nous tous, nous devons tenir compte de ça qui a passé. Peut-être que Néhémie n'a pas même besoin de tenir compte de tout cela, parce que Néhémie a vécu bien quand elle était. Néhémie a un bel job. Bel job. Il était considéré comme les chansons du roi. Il n'est pas considéré, non. Il était les chansons du roi. Elle dit que son nez a côtoyé le roi chaque jour. C'est lui pour le roi. Depuis que tu as boué un bagage, il faut que tu écoutes d'abord. Ou tu as mangé un bagage, il faut que tu écoutes d'abord. Il était qui contrôle cuisinier, chef cuisine, dans la cuisine spéciale. Ça ne va pas regarder que le poteau brûlé. Il n'a pas dit ça ne va pas regarder. Il était senti vraiment consterné par ce qui est arrivé. Et il s'est crié plusieurs jours dans la désolation. Il jeûnait et la priait devant le Dieu des cieux. Il n'y a pas ici le Dieu des cieux, c'est pour montrer, c'est une façon pour le dire, au Dieu des cieux. Et c'est pour montrer pour qu'ils soient distants avec nous comme ça. Pour qu'ils soient distants avec nous. Pour qu'ils soient loin de nous comme ça. Verset 5. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Néhémie dit, Seigneur, nous connaissons Dieu qui est grand, nous sommes Dieu qui est redoutable, mais nous sommes Dieu tout qui garde alliance. C'est comme si Néhémie a rappelé, mon Dieu, des alliances qu'il gagnait ensemble avec eux. Alliance qu'il a fait ensemble avec Abraham, non. Alliance qu'il a fait ensemble avec Isaac. Alliance qu'il a fait ensemble avec Jacob. Pour ne parler que de patriarches, ça ou seulement. Alliance qu'elle te gagne ensemble avec eux. C'est lui rappeler, bon Dieu, ça. Il dit, tant pis, tant de prières, yo, tant de prières, yo, tant de prières que le serviteur a adressé dans le moment ça, jour et nuit. Il dit que si pendant la journée, qui t'a travaillé, qui t'a fait un bagage, il était en prière, pendant la nuit, il n'avait même pas puis dormir, tellement tu as prié pour payer. Et il n'a pas prié seulement pour mon Judas, parce que lui, il était de Judas, mais il priait pour tout Israël. Combien de fois au printemps pour prier pour Haïti? Quelqu'un qui dit, bon, moi, je ne vais pas prier pour Haïti encore. Nous devons prier, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Et nous devons mettre tête ensemble pour continuer à prier pour payer nous. Parce que prier juste là, ils ont une grande efficacité. Il dit que nous péchons. Je dis à tout le monde qui a tiré le corps, tout le monde a dit c'est moi, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est pas un tel. Hey, c'est nous tous à la vérité. Néhémie dit comme ça que nous tous nous péchons. Il dit moi-même, moi péché. Parents, nous péchons. Nous avons tous péché devant toi.
Il dit, verset 7, nous t'avons offensé et nous avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Parce que au songe, lorsque mon Dieu a baillé Moïse des lois, et Moïse font bon temps sous montagne Sinaï, côté qu'elle a parlé avec mon Dieu, et puis que mon Dieu a dicté des lois. Il y a juste pour que ça là. En pile côté, elle était ingrat, oui, en pile côté, elle était fait, oui, pour mon Dieu, bah, en pile bâton. Moi, il faut quand même descendre, il y a quelqu'un fait statue, il y a adoré, fait tout ça. Il y a quelqu'un fait tout ça. Il dit, mais nous connaissons que nous offensons, nous connaissons que nous ne pas garder alliance, nous connaissons que nous ne pas vraiment rester dans le commandement. Et dans le commandement, on a parlé là, c'est le commandement qui te dit comme ça que, non seulement, il n'y a pas de droit à l'autre Dieu, mais Israël a commencé à servir l'autre Dieu. Et il te dit aussi que, pas prendre l'autre monde de l'autre côté. Mesdames, il n'y a pas de droit à prendre l'autre nation. Messieurs, il n'y a pas de droit à prendre l'autre nation. Et pourtant, c'est ça seulement que tu as fait. Et bon Dieu, tu es fâché contre toi. Et puis, verset 8 dit, souviens-toi de cette parole que tu donnes ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Ouais, ben là. Verset 9, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, la ville de Jérusalem. Ah, vous connaissez, c'est ça que tu as passé, oui. Et parole ça, bon Dieu t'a pas dit, non, je bien gardé le pour même, m'a bien gardé le pour même, pour me capable bah, oui, exactement dans qui parole, et que bon Dieu t'a dit, et parole ça, ok? Il te connaît, que c'est dit, il connaissait donc les avertissements donnés par Moïse. C'était en Lévitique chapitre 26. Hein? Et c'est ça lié. Et si alors, dans le pays de leurs ennemis, leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'alors il accepte la punition hein, de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Ou regardez dans Lévitique chapitre 26, verset 41, verset 42. Donc, ça décrit là, l'étape décrit et toute ça, elle te connaît déjà. Elle te connaît leçon. Elle te connaît leçon. Elle peut être lui-même, pas que monde qui te pratiqué, ça tout reste peuple en ta fait. Elle peut être lui-même, pas que l'enfant dans l'autre côté. Elle peut être lui-même, pas que c'est vie faux Dieu. Elle peut être lui-même, pas que fait ça. Mais je dis, elle dit, puisque nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation, moi-même, tout me péché. Et c'est des voies pour moi, le côté de mon Dieu, pour nous chagrin. Mais il dit, Seigneur, songez, ou te dit, ou à rassembler nous, et ou à faire nous retourner encore, côté que non, où tu de résider. C'est-à-dire que dans la ville de Jérusalem, puis devant, qui Apocalypse nous, qui pourrait la considérer comme la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et puis il dit, verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu arraches et par ta main forte. Ici, il fait allusion. Ensemble avec, lorsque bon Dieu t'a racheté le peuple Israël là, il t'a fait sortir en Égypte. L'Égypte qui était considérée comme la puissance de l'époque et qui t'a pris tout le peuple juif là en esclavage. Et il t'a dû passer 400 ans l'autre bois, ils ont passé environ 430 ans l'autre bois. Mais lorsque bon Dieu t'a voulu que vous sortiez, c'est à main forte et à bras étendus. Parce que le gouvernement de l'Égypte, Pharaon, ne voulait pas laisser partir le peuple. Et nous connaissons, Jean-Bon Dieu était là, il y a 10 plaies sur lui, un paquet de plaies, jusqu'à ce qu'il même arrive sous la destruction de toute première née, fini la mort de toute première née en Égypte, y compris perte, témoin dans son sang. Il dit, Seigneur, songez, ou pas qu'à finir faire tout le bagage, ça y est, et puis qu'on y a là, pour larguer nous là comme ça, pour payer nous comme ça dans l'état ça. Seigneur, songez, songez, songez. Seigneur, songez.
songez, je te délivre en pile dans nous, quand même. Parce que le pays a été fini totalement de janvier, quand pile l'autre bagarre encore qui est arrivé. Songez, c'est vrai que nous faisons crime devant. C'est vrai que nous faisons pile bagarre devant. Parce que dernièrement, je me regardé sur les réseaux sociaux, il y a un haïtien qui poule un haïtien et qui prend. Oh my goodness. Qui prend cher haïtien pareil, il y a frère là, la manger. C'est dit cannibalisme. Et puis son seul moyen. Pour qui ça l'oblige de diviser, pour qui ça l'oblige ça, qui côté nous voulons vivre, qui côté nous voulons aller. Le diable te font tuit. Parce que il y a pile radio qui suspend émettre. T'as les compagnies de téléphone qui vont camper tout. Et ces compagnies qui baillent internet, ils disent camper. Sincèrement, ça n'a fait. Ça a arrivé que nous baillons pour qui côté qui route pour nous faire. Nous avons sorti dans la rue et puis nous avons compris qui s'en est tombé parce que nous n'avons pas d'informations. Ça a arrivé jeudi à la m'a fait étudier ça sur YouTube là, mais ça a arrivé que la semaine prochaine, nous n'avons pas qu'à faire. Parce que la compagnie pour mon internet là, nous n'avons pas de gaz, mais nous n'avons pas qu'à fonctionner ou bien écraser. Ou bien la compagnie téléphone là, tout n'avons pas qu'à accès. Et tout ça est problème. Nous troublé. Mes amis, à nous prier pour payer. On est passé plusieurs temps dans la prière. Et il y a une bagaille que tu as prié, le petit Seigneur, verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de, ton servi- de tes serviteurs. Parce que tu es l'autre juif, tout pour te prier, mon Dieu. Qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie t'a prié pour ça. Il t'a demandé, mon Dieu, permission. Il t'a demandé, mon Dieu, passage pour le tal devant roi. Parce que faut qu'il t'aille devant. Et parce que tu t'es dit, pays n'est pas capable d'être comme ça. Faut aller devant roi pour moi, qui accède à moi, pour me faire qui choisit dans le pays. Pour me faire bâtir mes rues, pour me faire ranger les portes, pour me faire aider le peuple. Mais tu es conscient. Je veux dire, qui serviteur, mon Dieu, qui est conscient de façon l'église et qui a prié, mon Dieu, pour l'église. Parce que ça, moi, qui a passé là, c'est terrible. Maintenant, des deux pasteurs qui n'ont. Ils ont un réseau à la main, et puis ils ont utilisé le mal, ils ont chuté sous l'autre, ils ont joué l'autre. Oh my goodness, on monte. Qu'est-ce qu'a prié pour l'église là? Qu'est-ce qu'a prié pour Haïti aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a prié? Qu'est-ce qu'a intercédé pour mon bâtissant, qu'est-ce qu'a intercédé pour mon en bas la ville, qu'est-ce qu'a intercédé pour mon sao qui en bas mais qui n'a peur, qu'est-ce qu'a intercédé? Néhémie t'es senti concerné par tout ça qui t'a passé. Et au même, est-ce qu'on senti concerné? Seigneur, merci pour grâce, merci pour faveur, merci parce que jusqu'ici, on va nous souffler de vie, on peut mettre que nous vivons toujours. Mais Seigneur, il y a un vivre qui paraît tant qu'on vivoté, pas même si on vive, tant qu'on vivoté. Parce que nous ne pouvons pas qu'on passe là, on a payé nos Seigneur. Même pour un petit coup de gaz, tout la bataille. Même pour manger, Seigneur, il y a des gens qui ont mangé, mais on ne peut pas manger. Les gens ne peuvent pas jouer de l'eau pour eux. Il y a des gens qui ont passé plusieurs jours sans pas bien parce que ne peuvent pas jouer de l'eau. Petit monde qui parle à l'école, qui peur, qui traumatisé. Si mon cap mourir de l'école, yo, Seigneur. Un monde qui a 95 ans, Seigneur, sous tête li, cap mourir pas mal, alors que le film fait toute année, ça yo. Seigneur, quand pile bagay qui trouble nous, quand pile situation difficile qui trouble nous, t'as pris papa. T'as pris Seigneur. À l'instar de Néhémie, nous fais appel ensemble avec vous. Dieu grand et redoutable. Dieu grand et redoutable. Dieu grand et redoutable. Parlez dans quel saillot qui est haut, placé. Parlez dans quelle nation. Parlez dans quel dirigeant. Parlez dans quel monde saillot, tout saillot qui a une grosse âme dans le monde. Qui est seulement au Dieu d'amour pour faire ça et faire ça. Ou pas penser au Dieu d'amour avec crime, avec sang qui a coulé.
trop sang coulé, Seigneur. Trop sang coulé. La terre d'Haïti commence à gonfler avec sang innocent, Seigneur. Que pitié pour nos papas. Et tant de cri cœur, tant de cri cœur, tant de cri cœur, tant de cri cœur. Tant prie, Seigneur. Que pitié pour nous. Sauvez Haïti. Sauvez Haïti, Seigneur. Abaisse ton trône sur Haïti, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, abaisse ton trône sur Haïti. T'en prie, Seigneur. Pour accorder un avenir ensemble avec Timon, ça encore grandi. Ce grand monde, Seigneur, même si c'est, même si on quitte le pays, ce n'est pas quitter ou t'as quitté, non, Seigneur. C'est parce que y a pas où ça encore être là. Y a pas où ça y a fait là, Seigneur. Il y a des jeunes qui finissent à l'université, qui n'ont pas besoin de travail, qui n'ont pas besoin de manger, qui n'ont pas besoin de boire. Dis-moi, mon pays, nous, Seigneur. Merci, Père. Laisse qu'on ait changé notre nation dans nos difficultés. Et nous connaissons pas plagué, nous vous comptons à changer notre. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père Maxime. Est-ce que nous t'es suivi un petit moment ça? Nous souhaitons quand même pas de cabine ou trois. Nous allons rendez-vous pour l'autre étude, pour chapitre 2. Néhémie, que nous va garder ensemble dans mardi si Dieu veut, dans le prochain petit moment que nous allons garder ensemble. Merci, que mon Dieu bénisse.